Salut Starol, ça faisait un bail. Non, ça faisait 2 minutes, top chrono. Mais non, j'étais dans une autre dimension depuis tout ça. Ça fait des mois que je cherche à venir ici. Attends, tu parles de quoi là? Ah, viens, je vais te raconter. Tiens, il y a Cédric là-bas. Viens, on va lui dire un petit tour. Oh, je vais vous raconter tout ça autour d'un bon café. Ah, pinaise, ça faisait longtemps que je vous ai pas vu. Hey, Cédric, comment va? Qui m'appelle? Ah, c'est ça, Starol. Hey, ça fait combien de temps que t'es bloqué ici, toi? Je sais pas sûr. Tu vois, qu'est-ce que je dis? Toi, tu dois y avoir une histoire avec toi qui est pas très logique, parce que ça fait pas 2 minutes. Si lui, t'as vu, il a tout un village à lui. Moi, j'ai réussi à passer dans une autre dimension. Toi, il y a une explication avec toi. Bon, venez, je vais vous raconter tout ça autour d'un bon café. Bon, il y a de la place? Ouais, venez. Hop. Et voilà, je vous ai raconté toute mon histoire. C'était fort intéressant. Bah oui, comme quoi maintenant tu vois que on a découvert que t'avais un pouvoir, le pouvoir de voyager à travers le temps. Ouais, c'est pas mal. Moi je trouve que t'es taré. Pourquoi je suis taré? Bah ton histoire est un peu foufou, pas folle. Attends, se retrouver dans une dimension super flat, à devoir construire une super méga giga ferme de la mort qui tue, et des machines de la mort qui tue aussi. C'est pas nul, c'est génial, d'accord? J'ai pas dit que c'était nul! Et grâce à toutes ces machines, j'ai pu au moins retrouver tous nos amis. Ah, tiens, bouffe! Mais je sais où se trouvent tous nos amis maintenant, mais le problème... Toi non plus? Au revoir. What? Non, je rigole. Bon, Bob, oui, Brian. C'est bien que tu écoutes, mais bon. Brian ou Bob? Brian. Donc, c'est lui, Bob. Voilà, Bob. Ah, je crois que c'était Brian. Enfin, bon. Ah, ok, bon, bref. Donc, je disais que j'ai réussi à les localiser et que, par contre, pour y aller, on va devoir détruire à chaque fois tous les Ender Dragons et tous les Whistler de chaque dimension. Okay. Oh là là. Et on est bien parti, hein, je vous le jure. Hein. On va s'amuser. Et c'est à cause de ça qu'on a foiré en plus la première fois. C'est parce qu'on avait oublié de détruire les Wizards. C'est pour ça qu'on s'est retrouvé dans des dimensions totalement différentes et qu'on a pu au moins se retrouver tous les trois. Ouais, c'est ça. Déjà ça. Mais bon, au moins on a résolu le problème. On va passer aux choses un peu plus réjouissantes. Oui. Parce que j'ai pu passer quelques mois, mais je vous ai aussi ramené quelques petites choses. Qui vous seraient très utiles, n'est-ce pas, Starol? J'ai vu, c'est beau. Et aussi un autre petit cadeau qu'on va tester juste après dehors, les gars. Oh. Bon, par contre, Cédric, alors, qu'est-ce qu'il y a sur cette épée? Looting 3, Fire Aspect 2, Knockback 2 et Sharpness 5. J'ai passé du temps à forger ces armes. Pourquoi c'est moi la pioche? Parce que c'est toi le mineur ici. C'est parce que je suis portugais, c'est ça? Hein? Non. Bon, allez, venez les gars, vous allez comprendre ce que votre deuxième surprise. Ouais, tu nous as donné un drôle de truc là. Tout à fait. What? What? VTF! Exactement. Oh, tu le caresses ta tête. T'as fait ça comment? Fais un joli petit clic droit sur le sol, tu vas comprendre. What? Hein? Oh, un Ender Dragon! Sauf qu'il est jaune. Le mien est tout rouge, normal. Et le mien est jaune. En fait, c'est une invocation. Vous pouvez invoquer... Ah, l'animal, votre animal donc, chez toi c'est le golem de fer, et chez Starol c'est l'Ender Dragon. Et donc vous pouvez chacun invoquer, et chaque monstre que vous invoquez peut être d'une couleur différente. Donc moi par contre j'ai un peu des bugs sur le chocobo, mais bon. Et vous pouvez au pire modifier la couleur en utilisant des colorants. Moi j'aime bien le blanc. Et si on rappuie dessus, il disparaît. Hein. Ah voilà, ouais, il revient. Et si on rappuie... Oh, il a pu changer de couleur. Et voilà, il a changé de couleur. Et t'as ton Ender Dragon qui est noir. Oh zut, c'est dommage que le truc que j'ai en main, il prend des dégâts. Enfin, il a une vie, quoi. Fais clic droit sur l'Ender Dragon. Ah, il en a... Ah, ok, c'est la vie. C'est la quantité d'invocation que tu peux utiliser. Tout bêtement. Ah. Bon, les gars, je veux pas être rabat-joie, mais... Qu'est-ce qui se passe si j'essaye de m'envoler? Eh, hey, par contre, arrête, ça fait mal. Eh. Hey. Non. Oh la vache. Il va
vas l'attaquer maintenant? Non, mais rappelle-le quand même. Ça fait quand même mal. Donc les gars, je vous dis que c'est une nouvelle aventure qui commence pour nous. Ouais. Donc le bois, ça serait utile de le prendre, non? Ouais, surtout que la nuit est tombée. Elle a déjà commencé, donc les gars, on bouge nos fesses. Ok. Bah il nous faudra peut-être des lits. On passe pas les nuits? Bah on n'a pas de quoi faire. Il y a déjà un Enderman. Ouais, mais ne va pas l'énerver. Bah, s'il faut des moutons. Si on arrive à trouver des moutons, ça nous arrangerait. Par contre, évite d'utiliser ta superbe pioche, Cédric, pour récupérer le bois. Bah, pourquoi j'utiliserais une pioche pour le bois? Ouais, c'est ça quoi. Mais en fait, on est bête. Il y a du bois dans le village. Ah non, on ne détruit pas les maisons. Les maisons, ça va être notre premier abri. Ah ok. Je fais une table de craft. La table de craft est déjà dans le village. Ok. Creeper. C'est bon, il est mort. C'est fait. Donc, les gars, on va essayer de rentrer dans le village. Je sais pas que je vous aime pas, mais... Bon, pas derrière. T'avais quoi derrière moi? Bah, il y avait une autre araignée. Bon, c'est pas que ça devient dangereux, mais... Chacun son tour. Regarde. Alors, hop. Sinon, je prends mon golem, hein, y a pas de problème. Moi, je prends mon hunter. Par contre, je préviens tout de suite, le fait de réparer ces pioches-là est très coûteux. Donc faites gaffe à pas trop les utiliser. Question. Oui. On peut utiliser nos invocations pour tuer des mobs. La tienne, oui, parce qu'après tu m'as fait perdre le plus trois quarts de ma vie. Sérieux? Et je te garantis pas l'utiliser, parce que sinon après tu peux plus le réutiliser. Comment ça? Si tu veux, ton invocation a X vie. Tu peux invoquer X trucs, X monstres. Donc pour toi c'est les golems. Tu peux en invoquer qu'un certain nombre. Et si il advient qu'il y en a un qui meurt, tu ne pourras plus le réinvoquer celui-là. Et donc, évite de les faire tuer. Tu viens de me gâcher un plaisir, mais... Monstrueux. Juste les gars, vous êtes où, vous faites quoi? Moi, je suis dans le village. Ok, j'arrive. Moi, je prends du bois. Bon, par contre, pour passer la nuit, ça va être compliqué. Hein. Par contre... Bonjour. On a du bois, peut-être... Waouh, ça va pas aller... Oula. Oui, je confirme. Problème de micro, je crois. De réseau. Ouais, de réseau surtout, ouais. Zeta. Ok, il revient. Et problème de bouffe aussi. J'ai de la bouffe de zombie. J'ai plus de cœur. Mais ça me sert à quoi, là Oula. Oula là là là. J'ai vu une crotte en arrivant, pas toi. Une crotte? Attends, tu bug, hein. Une crotte. Et pas qu'un peu. Mais t'as compris comme moi qu'il a dit qu'il avait vu une crotte. Oui, en arrivant. En arrivant, il a trouvé une crotte. Oui. Ah. C'est pas la mienne, hein. Je crois qu'il a même quitté Skype. On dépose où le bois? Eh ben attends, tu sais quoi? Je crois qu'on va même faire une ellipse. Ellipse! Et bonjour à tous, ici Zeta, Starol et Bob et Brian. Comment et ça va? Cédric. Et Cédric peut-être, non? Ah, mais j'ai pas dit Cédric. Non. Non. Oh, Cédric, Bob et Brian. Méchant. Non, mais méchant. C'est bon, je râle. Et donc voilà, nous sommes repartis pour une deuxième saison. Non, en fait, c'était pas à toi, c'était à toi. Il est mort. Ah non, et il est mort là, regarde, tu l'as tué, il est en train de ramper par terre. Je fais le tapis. Attends, je m'essuie sur toi. Donc, nous sommes enfin repartis pour la saison 2 de Starol et Zeta, perdu entre dimensions. Enfin. Mais avec un nouveau titre un peu mieux quand même. Hein. Ouais. Donc cette fois-ci, ça sera la confrérie de la tortue. Oh yeah!
La poule et la tortue. Et donc, oui, a compris, la tortue, puisque nous sommes la team tortue. On est la team tortue. La team tortue. La team tortue. Et donc, bon, vous me suivez, j'ai vu une grotte là-bas. Ah, une grotte, ok. Grotte, c'est pas une crotte. Ouais. Et donc, nous avons réussi à installer le mode Animal Bike sur ce serveur. Ouais, et y a pas que ce mode-là. Il n'y a pas que ce mode-là, donc il y a le mode Smooth. C'est comment Smooth? Alors, c'est le Smart Movie. Smart Moving. Rise Minimap. Rise Minimap et Inveritory Twix. Inveritory Twix. Oui, j'ai rien compris dernier, mais c'est pas grave. C'est pour ranger les coffres automatiquement. 1, 2, 3, 4. On ne nous... Ah putain, tu peux m'aider. Je sais pas. Donc, on est sur quelle map? Ah, on est sur Eldaria version 3 spéciale 1.4.7. C'est génial. Par contre, ça te dérangerait pas de miner un peu de cobble pour se faire un four? Bon, juste comme ça, on a un four, on se fait quelques torches. Ah, ça fait bizarre, c'est pas moi qui mine. Ah, bah non, on est à 3, hein, t'inquiète pas, on sépare les rôles. Hein. Je vous surveille, les gars. Par contre, enfin, t'en as plus combien? Mine un petit peu de pierre encore un peu par là, comme ça. Oh, ça suffit largement. Bah, avec la pioche, ça va vite, hein. Oui, oui, bah oui. Je descends déjà pour voir si je trouve du charbon pour faire une torche. Ouais, bah, ça serait une bonne idée. Je récupère un peu de cobble, moi, en attendant. Wow. Starol, tiens, je t'ai fait une pioche. Aïe, arrête! T'es où? C'est pas moi! Si, ah bah si, c'est toi. Starol, t'es où? Je t'ai fait une pioche. Je suis derrière toi. Attends. Ah, tiens, t'as une pioche déjà. Bien, merci. Donc, dans cette série, maintenant, comme nous sommes trois, nous allons répartir un peu la tâche. J'ai des flèches, si ça t'intéresse. J'en ai déjà. J'en ai une, mais ça m'intéresse pas plus. J'en ai cinq. Donc, je me fais juste une petite épée, moi, pour que je puisse au moins me défendre un minimum au corps à corps. Donc, dans cette... Tu pourrais me faire pareil, s'il te plaît? Oui, je te la fais. Tac. Donc dans cette saison, on se nettoie, donc on passe répartir les tâches. Père. Moi, t'es où? Il est tout en bas. Ah. Donc moi, de mon côté, je m'occuperai surtout de tout ce qui est maison et redstone. Ouais. Starol, oh, y a un l'aventurier. Enfin, ouais. Cochon. L'aventurier et Cédric sera plutôt le mineur. Mais bon, on ira quasi tout faire ensemble. Oh, un bug de texture. Enfin, de lumière. Donc voilà. J'ai une torche. Moi j'en ai 4, 8. J'ai déjà 3 fers. Voilà. Cet épisode sera peut-être. Quelqu'un a de la bouffe? Plus long. Non, je n'ai j'ai pas deux encore. Deux zombies. J'en veux bien une. J'éclaire un peu ah la oui, zone, on a les gars. Oublié de vous dire, on a un pack de textures. Ah oui, on a le Faithful 32. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est fait. Déjà ici un. Attends. Il va peut-être pas tout de suite. Oui. Ah si d'accord, il y va franco lui hein. Ouais, j'ai des bugs de lumière. Je prends le coffre, c'est bon, j'ai pris le coffre. Il y a quoi dedans? Il y avait du fer, des sels, du blé. Ah, et de la les sels, on va apprécier ça. Par contre, on récupère le coffre. Ce donjon va. Sel. On va se servir quand même du donjon comme machine à XP parce que c'est utile. Ton épée, c'est Rick, t'es où? Ah, je crois que tu parlais de la mienne. Je suis là. Je t'ai donné ta pioche. Ouais, je l'ai. Oui. Et ton épée. On doit se mettre d'accord, les torches toutes à droite. Ouais. Alors attends. Merde. Pourquoi elle s'est déplacée? Celles-là, elles sont à droite, c'est bon. Celle-là, elle est pas à droite. Mais il y en a une là, donc c'est bon. Bon, par contre, on va devoir explorer dans bientôt, ça. Ah non, elle est pas à droite. Ouais. Bah, mettez les... Ici, il faut que ça spawn pas, donc... Attends. Hop. Mettez les torches à droite, hein. Comme ça, on est sûr de pas se perdre. Sérieux, on commence bien, les gars. Et tu m'étonnes avec Eldaria. Eldaria, en plus, très belle map. Magnifique. Alors, Eldaria, map créée par Aurélien Sama. Aurélien Sama. Très bon mappeur. J'allais dire un truc, mais... Vas-y, dis-le. Belge. Mappeur. Ah oui, il est belge. Et ouais. Ah, bah, j'apprends des choses. Bon, par contre, moi, je m'occuperai d'organiser un peu plus ici, parce que là...
On a plus de chances de se casser la gueule que sur autre chose. Ok, j'ai déjà trouvé une genre de crevasse. Ouais, ben y en a une. T'as combien de fer? Moi j'en ai 4. Attends, j'en ai 3 ah, là. Ah, y en a là. Bah, ça nous suffit pour l'instant, on va remonter. Attends, et on va plafond, se préparer. Je le ramasse. Ah, vas-y. Par contre, je vais... venez, on va un peu explorer à l'extérieur. Moi, comme j'ai 3 fer et 2 et 4 lingots, en fait. Attends. 3 fer et 4 lingots. Ouais. De fer. Donc, par contre, il faudra que je rajoute des points sur la map. Tenez qu'on peut le faire avec Rise Minimap. Ouais, mais ne le fais pas trop pour pas... Ah oui, pour mais ceux après, qui tu peux les désactiver. Smart Moving, on va pas faire le vol. On n'est pas... Le vol? Ouais, on fait pas Superman, quoi. Ah non, bah mais c'est comme si c'est chouette et épique. Ouais mais bon, c'est un peu cheat quoi. Enfin, mon dragon aussi alors. Quoi, mais... Mais, tu sais, on va pouvoir... On va voir bien s'amuser. Ouais. T'es où, Zeta? En train de récupérer... me préparer pour... T'es en haut? Non, attends. Ah, moi, je... merde, je suis en haut, moi. Ah bah moi, je suis dans le village, là, en train de préparer... Okay, c'est bon, j'arrive. Rouge, comment tu fais du brun? Ah, peut-être c'est du rouge. Hein. Tu auras un peu plus dans le noir. Ouais. Avec un peu de vert de... Non, un peu de... Si, un peu de vert. Un peu de... Voilà. Village. Donc, logiquement, je devrais... Ah, bah il faut que j'ai... On a pas réglé... J'ai pas réglé les... Bah non, c'est... C'est quoi la commande pour les... le menu de la map? Le menu de la map? Merde. Pour faire quoi? À ton avis? Le menu de la map. Ouais, il y a un... Ah, de Rise Minimap de... Bah, ouais. C'est M. Non, moi, j'ai pas M. Attends. Ah, regarde. Ah, si, j'ai. Tu peux poser le four. Death point. Les points, c'est le P, normalement. J'ai changé par P. Weapon, on. Non, c'est C. Non, je l'ai changé. Moi, j'ai C. Okay. Attends, je crois que tu les as pas mis visibles. Attends. Ah, ça se peut, ouais. J'avais tout enlevé pratiquement pour avoir le moins de triche possible. Non, bah attends, les... Ouais, bon. About minimap, ça doit être... Non, c'est pas ça. Marker point, marker enable. Donc, logiquement, je devrais pas, mais... Ouais. Bon, je m'amuserai entre les deux épisodes. Donc, venez, je crois que j'avais... Attendez, mais bah, on va explorer un peu. Ah, mais Cédric, je crois qu'il est encore dans la mine. Ouais, attends, j'arrive. Oui, juste, il faudrait pas faire un coffre et mettre dans une baraque. J'ai un coffre. Ah, j'ai une baraque aussi. Venez, les gars, j'ai trouvé une baraque abandonnée par là-bas. Hein? Une baraque abandonnée? Ah, ouais. Ouais. On va pouvoir s'installer là au début. Ah, ouais, ça va être marrant. Faudra toute la rénover un peu, hein. Parce que là, plein de tolérés. Oh, vous inquiétez pas, ça, je m'en occupe. Par contre, elle est belle. Oh, un coffre. La canne à sucre. Ah, bah, tu peux être. Ah, y a pas de boulot. Ah, ouais, mais y a de la canne à sucre, t'es content. Oh, mais y a de la canne à sucre, mais y a pas de boulot. Bon. Canne à sucre, torche et du melon. La pastèque. Bon. Les gars, on va pouvoir mettre nos stuff ici. Et dire dans un prochain épisode, déjà, non? Déjà, tu déconnes, toi. Attends. Ah, je déconne. Bah, on attend le lever, alors. Tu déconnes, ça fait... Attends, j'ai regardé l'heure à laquelle on a commencé. On a commencé à 20, il est 30. Ah, d'accord. Bah, ok. Le four, je le mets en place. On fait des épisodes de combien? 20, à peu près. 25 minutes? Ouais. Prêt? Putain, c'est Star Wars qui les monte, donc c'est pas bon. les bugs de lumière, par contre, ça me fout. Ouais, c'est un peu chiant. Attends. Ah là, j'ai enlevé l'étoile d'araignée. Ça fait plus propre. J'arrive. Ah, il est encore là. Eh ben, il l'a bugué. On a perdu. C'est pas, il va revenir. Ouais, il reviendra. Espérons-le. Ouais. S'il voit que... revient toujours. Ouais, si on voit qu'il revient pas, ben, on refera une ellipse, quoi. Wesh. Alors, sinon...
Bon, entre-temps, je vais ramasser un peu de blé. Ouais, vas-y. Parce que je commence vraiment sérieusement à crever de faim, là. T'as du charcoal sur toi? J'ai du charbon sur moi, okay, si tu veux. J'arrive tout de suite, de toute façon. Ouais, attends, ouais, je... Ah ouais, ah, ça va mieux. Voilà. Ah, tu m'as fait laguer. Mais c'est bon. Voilà, je suis là. Pardon. Alors, Question, t'as repris tout... Oh non, t'as repris le fer que ça m'avait donné. Le fer que tu m'avais donné. Zeta. Tu m'as donné du fer. Si, hein. Tu m'as donné du fer. Non. Pas, alors. Bref. C'est à Star Wars qu'on a donné, mais pardon. Enfin... Non, c'est bon, j'ai donné rien à personne, donc ça va. Aïe. Juste pour savoir, le serveur il est sur quoi? Serveur normal. J'ai pas su mettre sur un machi. Non, c'est pas ça, c'est que... Ah d'accord, donc en fait... Ah, bah j'ai viens d'apprendre quelque chose. Merde, oh non, je vais mourir. Non. Oh, t'as plus de bouffe? J'ai plus de bouffe et il y a un creeper qui me court après. Il est en normal. Il est pas en hard, donc normalement tu devrais pas mourir. Non, j'arrive. Oui, mais... Attention, Zeta. Je l'ai vu. Sympa, merci. Ouais, mais attends. Je vais nous faire des petits trucs. Donc moi, je devrais m'amuser à décorer pendant pas mal d'épisodes, moi. Bon, attends, je répare juste déjà un peu la maison pour qu'elle donne un peu quelque chose de correct. Hein. Pour ceux qui veulent... Ah, il y a encore du blé, là. Je fais du non. Pain. Tu sais, pour l'instant, moi, j'ai encore 4 steaks. Ok, la baraque est refaite boulanger. De l'intérieur, en tout cas. On a des torches ? On a des torches. Il y a à l'intérieur, il y en a. Bon, par contre, j'aurais juste réorganisé un peu tout ça. J'ai remis du fer dedans. Ouais, c'est bon. La pierre, il y a... Bah, fais chauffer le fer, il est en haut. Par contre, il faudrait faire un deuxième coffre. Je vais faire ça tout de suite. Il y en a dans le coffre. Il y a un coffre. Ah ouais. Il y a que toi pour mettre des coffres dans le coffre. Hein. Ça, fous-toi de ma gueule, toi, encore, tu vas voir. Les gars, j'espère que vous avez fait une porte. Attends. Hop, on trie l'inventaire. Comme ça, je vais faire une porte tout de suite. Passe pas comme ça. Quoi? C'est juste un archer. Et j'avais mal à la gorge. Mais je m'en fous de l'archer. Pourquoi t'as mis ça? Mais casse. Qui a foutu une ficelle là-bas? Les gars. Oui. Hey, tu te calmes, toi. Voilà. Ah, punaise. Voilà. La baraque est faite. Ah, j'ai réussi. Eh ben merde. T'as une flèche au cul. Ah non, à la main et qui traverse la tête aussi. Bon. Voilà, on a une maison plus ou moins au début. C'est déjà pas mal. Juste bon. Un peu de bouffe. Du pain. Du pain. Bon, j'organiserai un peu mieux ici. Alors, pour ceux qui se demandent, oui, j'ai mis des bons pains de pain. Parce que c'est mieux. C'est mieux. Par contre, qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Tout ça. Ouh, personne aurait du coal. Normalement, il y en a dans le four. J'en ai un stack. Un stack. Oh, yeah. Alors. Ah oui, piquer quelques petits trucs. Je suis mineur, je gère. Et moi, je suis magicien. Il y a encore un four en haut. J'avais pas vu celui-là. Il y a que toi pour mettre un four au-dessus de la porte, hein. Bon, pas désolé, mais je me suis amusé, hein. Ah là là. Comme quoi, j'aime les invocations, moi. Hop. Vous m'entendez encore? Ouais, t'inquiète. Pourquoi t'as mis un dino en fait? Voilà.
son avis, qu'est-ce que j'ai fait de la selle? Ah, c'est comme ça qu'on fait. Eh ben oui, tu fais une selle, tu crées, par contre pour le dinosaure il faut un fossile. Et ben il faut les créer, c'est avec du coal et des os. Attendez, je prends toutes nos ressources et je fais le coffre à ressources. Voilà. Vas-y. On n'a pas grand chose comme ressources en fait. Ah, on n'a pas du fer. Et l'avantage de l'invocation dinosaure, c'est que tu peux invoquer soit un dinosaure qui vole, soit ouais, un mais il y a 4 sortes de dinos, je crois, si je dis pas de conneries. Oui, il y en a 4. Il y en a 3 au sol et 1 en l'air. Mais je vois pas trop de différence entre chaque. En tout cas, je l'ai pas vu au premier quand je les ai invoqués pour la première fois, mais... Je fais le sentinelle. Alors là, tu peux le dire, hein. Oula ! Je tout shot. Tu as one shot en 2 coups. Ouais, je l'ai tout shot, quoi. Non, je vais faire l'expression one shot en 2 coups. Tu l'as tout shot. Ah là là. One shot en 2 coups. Je suis désolé, c'est autre chose, ça. Vous écoutez pas Kingdom Pop ce soir. J'ai pas encore... Quand il est arrivé dans le monde de Noob... Ah, il manque des barrières. Barrières. Et il a dit, ouais, moi, fais gaffe, je vais te one-shot dans 3 coups. Le monde de Noob. One-shot en 1 coup, normalement. Ouais, il arrive sur Horizon. Non. Bah, t'es pas à la fin, toi. Moi, j'attends le dernier épisode. Bah, non, moi, je les ai pas encore écoutés. Ah, moi, je les ai tous écoutés. Sauf le dernier épisode qui n'est toujours pas sorti. Et que j'attends depuis longtemps, qu'il était censé sortir il y a plusieurs mois. Combien de niveaux, mais les gars sorti. Un quart. Ou un tiers, ça dépend comment vous voyez. Ok, j'en ai 3. Mais c'est Cédric qui aura le plus de niveaux. C'est... Ou toi. Ouais, ce sera peut-être moi, avec les minages du charbon. Et t'es quand même place sur ton golem. Hein. Attends, laisse voir. Ah là là. Eh, c'est cool. Je suis assis sur tes épaules. C'est la classe. Donc, je sens que la fin de l'épisode approche, moi, bizarrement. Ouais, à peu près. Ouais, t'es pressé, hein. Sérieusement. Ah non, je suis pas passé, je suis pas un... Ah si, ah si. Ouais, la limite, ça fait 20 minutes. Vous savez, c'est ma nuit qui... Passé, même. Et, attends, à 100% 20 minutes. Avec tous les machins et tout. Ah, je... Ouais, ça fait même plus, ouais, alors. Ouais. Attends. Bon, par contre, avec parce les... Parce qu'avec les machins, comme tu dis, ça fait... Avec les machins, comme tu dis, ça fait 30. Alors, ça, c'est... T'as vu que j'ai... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je me suis pris des dégâts alors que les creepers n'avaient pas censé être explosés. Oh là 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 là. Bon. Ah, des champignons. Il a quand même explosé, finalement. Des mushrooms. Des champignons. Des shrooms. C'est des schtroumpfs. Des schtroumpfs. J'arrive. Non, je ne suis pas dans les parages. Ah, c'est bon, tu l'as eu. Hop. Il était déjà affaibli par le feu. Ah là là. Donc. Donc on... Donc moi, dans le prochain épisode, il faudra que je m'attarde sur... Sur... Je nous pose un défi. On fera... une espèce de statue. Vous vous rappelez dans la première saison, vous avez fait une espèce de truc pour DJ Manu. Bizarre. À quoi? Ouais. Pour DJ Manu. Ouais, voilà. Pour comment vous avez dit ça? C'est pour remercier, dédicacer. Ouais, voilà. En l'honneur d'eux, ouais. Pour faire une dédicace à une certaine personne, on préfère cette fois-ci aussi une dédicace à une personne. Ouais. On verra encore qui. Je sais. Et bizarrement, je me demande qui c'est. Et on fera au sommet de la montagne. Ouais. Ah oui, bah moi je pensais faire autre chose au sommet de la montagne, mais bon, c'est toujours une idée. T'as pensé à quoi, mon cher ami? Je pense à un énorme dojo où on mettrait nos 3 armes. Ah ouais, ça peut être pas mal. Ah oui. Non. Donc voilà. C'est là. Ouais, si, c'est là la plus grande. Ouais, la map est gigantesque. Hein.
Je sais, elle est magnifique. Les montagnes sont horriblement énormes. Enfin, il faut presque 10 minutes pour la monter. Attends, il faut 10 minutes pour la monter, voilà, si pas plus, et il faut 3 secondes pour descendre. Non, j'en dirais une. Toi, là, avec ton dragon, tu devrais ça monter. Ouais, ah ouais, moi je pourrais monter facilement. Hey, bravo. T'as foutu de la flotte ici. Attends, je veux aussi. Ah, mais je peux pas. Pourquoi est-ce que toi tu peux invoquer des... Attends, enlève-toi. Et je m'envole. Je veux un truc comme ça, moi aussi. Il faut le fabriquer. Mais comment tu fais? Secret de fabrication. Tu sais, quand tu passes des mois et des mois dans une dimension parallèle où tu arrives à contrôler ces objets-là. Donc, finalement, ça signe la fin de l'épisode ou pas? Parce que sinon, ça va faire trop long. T'inquiète pas, on va aussi te permettre de voler, mais avec un autre... On se met devant la baraque. Premier objectif fini. Et on termine tous sur notre monture. C'était comment encore t'as dit? C'était un fossile et quoi encore? C'est pas beau. Pas beau. Fossile et une selle. Mais pas la beau. Selle elle vaut. Oh coco en haut. Beau. Il va... beau. Allez. Et on, comme ça on finit une photo de fin. Ah là c'est un... Là je suis pas con. Ah là, allez Cédric, mets-toi dessus. Attends mais il était rouge lui là. Ah tiens. Non. Attends. Tu me mets à côté de moi. C'est ce... Ah, viens te mettre à côté de moi. Non. Attends. Mets-toi en l'air. Ça non, regarde. Attends, toi, tu te mets en l'air. Descends un peu. Non, il n'y a pas entre les deux. Remonte. Bon, il n'y a pas entre les deux. Peut-être pas mis. Non, comme ça, voilà. Allez, donc voilà, c'est la fin de ce premier épisode. Et on vous dit à la prochaine. Ah, il a de nouveau buggy. On va voir. Ah non. Pour la fin de l'épisode, il bug. Non, je peux rien faire, c'est bon. Deux, c'est bon. Donc on vous dit au revoir et à la prochaine. Bientôt et à bientôt, j'espère. Au revoir, car il a bugué. Salut tout le monde. Eh oui.